tous et à toutes et bienvenue. On se retrouve ce soir sur Bless Engine. N'importe quoi. Unleashed, ça y est, je commence à te dire de la merde. Je commence. Chacun m'a fonctionné pas, c'est quoi, je parle de le live commence très bien, comme à chaque fois, hein, toujours. Le live fonctionne parfaitement à ce qu'on voit, hein, toujours comme d'habitude. Capable d'avoir éteint le micro. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Me voilà de retour, ma femme travaillant. Je peux être tranquille pour faire mes lives, tranquille. Mon petit est parti se coucher, tout va bien, tout est nickel, tout fonctionne parfaitement. Voilà. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir Bless Engine. Il était en phase payante il y a quelques temps encore, et là, il est enfin gratuit en free-to-play, d'abord sur Xbox One. Pour une fois, c'est pas PlayStation qui a une exclue. Hein. À voir ce que le jeu va valoir, surtout. Hein. Voir comment ça va se dérouler, comment ça va se dérouler, comment le jeu va évoluer. Sachant que c'est un MMO, que ça fait des années qu'on en parle, qu'il allait y avoir de plus en plus d'MMO, et après, oui, c'est le cas. Mais il y a aussi un truc, c'est que ça fait des semaines qu'il est ouvert le jeu, que le serveur est ouvert. Là, on voit, il y a personne, je ne sais pas encore ce qui se passe. Peut-être que c'est un serveur pour commencer, je ne sais pas encore ce qui se passe. Donc voilà. Eh bien, on va commencer. Je dois juste avoir mon retour, voir si tout se passe bien. Ça a l'air de fonctionner. Eh bien, c'est parti, hein. C'est parti, on va commencer. Start. Juste écouter s'il y a bien du son, comme ça va, comme ça se passe. Alors le jeu est complètement en anglais, hein, ça c'est le souci, donc excusez-moi de mon anglais pourrave qu'il va y avoir. Je suis une bite en anglais, pas de soucis là-dessus. Hein. Donc on va découvrir un peu, donc il y a le Crusader, alors je pense que c'est le croisé celui-là. J'ai commencé le live, hein, je vais commencer le live, j'attends juste d'avoir bien mon retour. J'ai plus de son qui passe sur le... J'ai le Mac qui est ici, enfin j'ai deux Macs qui sont là, et enfin les deux Macs. J'ai le Mac qui est là et j'ai le grand écran qui est ici pour gérer un petit peu toute l'histoire. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc, eh bien c'est parti. Méga tournoi, je m'en moque, j'ai autre chose à faire. Alors on a le croisé, on a le Berserker qui est une sorte de... Comment dire, de... C'est le Berserker un petit peu à la façon Diablo. Le Ranger qui tire à l'arc donc à distance. Le Mage à distance. Et le Prêtre qui sûrement fait aussi de la distance aussi. Moi je suis plus au Berserker. Vark, oui. C'est un peu mon type de classe, un petit peu le Berserker. Bienvenue aux gens qui arrivent sur le live. Un petit peu le personnage. Alors les yeux color, les color, attendez, change color. Ah, ça change comme ça, je joue clavier souris donc attends, je comprends pas, j'ai bien mis en bleu et... Ouais, mais de toute façon, si ça bug, hein, c'est comme ça, et puis voilà. Iris size, nope. Eyeball color. Ah, tu peux te le mettre rouge. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Par contre, je comprends pas, c'est la couleur de l'iris qui ne change pas. Enfin, elle change, mais pas dans le bon sens. Oula, ça bug. Ouais, bah écoute, je vais le mettre en violet. Oh, quoi qu'il va trouver en violet, ça pourrait passer. Ou en rouge. Rouge avec les... Ouais, avec l'œil en noir. Je pense que ça passerait super bien. Dites-moi vos avis, hein, n'hésitez pas. Ouais, ça le fait. En fait, ça le fait, c'est classe. Bon, ok, ça marche. On a quoi d'autre? Les yeux. Comme les chèvres. eyeliner, non. Non. Le nez. Oh, déjà.
j'ai un truc qu'on va changer. La coupe de cheveux, par contre, on va la changer. Pas la tête douillue. Je voudrais une coupe un peu courte. Ça fait bien beaucoup de cheveux. Winkles. Comme ça, hein. Oui, allez, hop. Et si on l'appelait Jean Norbert, comme la plupart de mes jeux, hein? Je suis bien Jean Norbert. Allez, c'est parti pour Jean Norbert. Cette fois-ci, c'est un chat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu live, Jean Norbert est un personnage que j'ai créé il y a quelques années et que je mets dans tous mes jeux. GTA, Skyrim, Dangerous, tout ce qui peut passer. Fallout. Voilà, Jean Norbert est juste un gros un personnage que je dis souvent, mais live. Tac, c'est parti pour Jean Norbert Gaming. J'aurais dû appeler la chaîne. Hein? Ah, je peux pas. D'accord. Voir mon Jean Norbert là, mais non. Allez, c'est parti. Découvrons le jeu. Par contre, on n'a pas l'accès au. Comment dire, aux options. Je vais voir si c'est accessible après dans le jeu, parce que ça serait pas mal. Puis voilà quoi. Donc voilà, je suis content de refaire des lives, enfin de pouvoir refaire un petit peu de live, tout ça. Ça fait plaisir, donc là demain il y aura aussi des lives, hein. On verra comment ça va se passer, je ne sais pas trop ce que je vais faire en fait demain, ça va cogiter dans la nuit, hein. Peut-être qu'on va faire du Call of, peut-être qu'on va faire du Forza, peut-être que... du Call of, du Forza, peut-être du Plant vs Zombie, le dernier là que j'ai pas continué à faire. Donc on verra bien. Alors, par contre, je voudrais juste savoir si on a accès aux options. Gameplay, alors. Caméra, on va l'augmenter la caméra pour que ça se mette la caméra, voilà quoi. Donc, user interface, tutoriel. Les contrôles, bah, de toute façon, les contrôles, ça c'est là, mais j'utilise une clé, désolé. Les graphismes, la luminosité, on n'a pas y toucher. L'audio, c'est ça que je veux changer, l'audio. Cette foutue musique, on n'a pas besoin. Et interface, SFX, on le game master, volume, on va le baisser un peu pour pas que ce soit trop.
Ça passe par-dessus ma voix. Voix shite, no. Tac. Ce chat, je veux dire. Langage, on peut le mettre en français. Attends, c'est quoi ça dire? Ah, déjà tu peux pas le mettre en français, c'est dommage. J'aurais bien voulu. Ça se trouve, il va peut-être être en français par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'on n'a pas de. Ok, d'accord. Vache combo. D'accord, par contre, les vibrations sont activées. Parce qu'il y a moyen de désactiver ces foutues vibrations. Parce que ça va nous sauver vite. Je vais les sauver, mais c'est la manette, elle va vibrer. Ça. Strike combo. Child of Demia, can you hear me? My time is short. You are caught in a dream, and I have found my way in. Bon, dans Call of, ok. C'est un peu spécial comme ça. Bon, écoutez, je me suis engagé sur jusqu'à 21h, on va rester jusqu'à 21h. Après, il peut me plaire. Hein. Un tuto, oulala, il y a des problèmes avec la caméra par contre. Hein. Sérieux problème avec la caméra parfois. Par contre, je vais essayer du coup de. Je pense que c'est un tuto à la. Comment on appelle ça? À la façon. DC Universe Online. On stoppe tous les petits boss du début comme ça pour avoir un petit peu à jouer. Mais. Pff, en soi, ouais, ça peut être bien. Ça reste à voir ce que ça va valoir par la suite. Ça reste du MMO, hein, tel que par exemple complètement Neverwinter, un jeu qui est quand même vachement connu. Ça reste du MMO, hein, à voir ce que ça va donner par la suite. Là on est encore sur une phase, enfin pas en phase bêta, mais on est sur des phases de qualité. Il y a encore besoin d'amélioration, hein. Ça peut être bien, mais bon, c'est pas mal en soi, c'est pas mal. Attends, tu te tapes déjà des niveaux de 1, c'est bizarre. Tu viens me défoncer la gueule, c'est ça? Ouais. Ah, c'est un jeu qui joue bien au clavier souris, ça, honnêtement. Si vous avez un adaptateur.
seul hein, comme jeu si. Moi, si la qualité, il y a des problèmes, tout ça, je pense que non. Normalement, il n'y a pas raison. Les deux Xbox sont connectés. Enfin, l'autre Xbox est connecté, mais je veux dire, elle est connectée dans la mesure où. Il est en rage instantané. Lol. Bon, là je pense qu'il faut se battre avec Mister là. Cyclope géant. Ouh la vache. Aïe. D'autres armes, attends. Ah, t'as d'autres attaques là. Ok, d'accord. J'avais pas vu. Si je vais faire LB, B. C'est pas trop bien. Oui, cette partie-là. Ah, il faut bien que je vais me faire péter la gueule direct. Non. D'accord. Ça sert à quoi? Ok, d'accord. Mais si on s'en sort pas, c'est. Ce serait normal en fait. Oh là 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 là. Mais je me fais violer. Aïe! Bienvenue, donc je vais t'apprendre un peu. Je pense qu'en fait on doit mourir tellement en bataille que je le mec qui vient de me faire. Là 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 là. Ils volent des volets, genre c'est. C'est comme les grands-mères dans le temps. Des claques à la gueule. Et père d'avis, putain, voilà, on est à part égal déjà. C'est la même chose là, c'est un peu la même chose. Je suis pas ta mère. Faut pas que je fasse des je vais pas commencer à refaire des accents québécois. Je vais être vraiment n'importe quoi. Play single player story prologue bonus XP. Vas-y.
Attendez, je vais remettre un peu la lumière parce que je vois qu'elle est un peu décalée. Hop, c'est bon. Tant pis, je l'ai dans la tronche, mais bon. Tac, 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 tac. Je m'excuse hein, d'avance s'il y a un petit retard avec la caméra et le micro. Ça a toujours été comme ça sur Xbox avec Twitch. Je sais pas si ça a changé, mais a priori, je pense pas. On a un décalage. On utilise Mixer, on a pas de décalage. On a pas de décalage, mais graphiquement, le jeu, c'est moche. C'est même irregardable. Mais par contre, vous allez sur Twitch, il y a peut-être un petit décalage micro-caméra, mais c'est propre. Le stream est quand même propre. Voilà. Bon. Première fois que je joue pas un humain, enfin oui c'est ça, première fois que je joue pas un humain dans un jeu. Je pense qu'il faut que j'aille parler Telarion Island. Ouais. Wow. Ouais. Rien si. Oh, je suis, hein. Ah, tu peux faire comme dans Pokémon, avoir un texte speed up. C'est nickel. Plutôt propre. Pas dégueulasse comme jeu, quand même. Bon, ensuite, faut faire quoi? How's it going? Ah, je comprends rien. Parle de fantômes à ce que je vois. Festival. Téléos. J'ai trop eu mon nom. Je parle anglais comme une vache espagnole, hein, attends. D'accord. Ouais, t'es pétoi comme ça, c'est bien aussi. Marquette. Ok, plus qu'il te lâche comme ça, super. Ah, I've been expecting you. Alors, il faut que j'aille voir d'autres personnes. Ah, c'est ce que je déteste avec les MMO, c'est que ça prend un peu trop de temps des fois à se lancer. C'est bien, mais ça prend un peu de temps à se lancer. C'est un peu chiant. Un elfe ? Du moins, je pense. Il faut que j'aille voir lui là. La place, c'est trouver la princesse Priestess. La princesse, the High Priestess. Du coup, j'ai la princesse. Non, moi, beats a good party. Je dis, je parle anglais comme une vache espagnole. Des fois, je le comprends, mais pas tout. Ouais, problème. Hein. Bon, alors. Nothing beats a good party, hey pal. Le truc qui revient à sa place. Pas quand ça fait ça. Je déteste quand ça fait ça d'ailleurs. Alors, un tef, allez. Ah mais il est là, je suis bête. Le jeu il bug un peu quand même.
de... T'as l'impression qu'il galère, qu'il a fait dans son froc, ou il y a eu quelque chose, tu vois, c'est pas normal. Que ce soit lourd, mais il y a des limites, tu marches pas comme un canard. Je sais pas ce que t'as fait hier soir, mais... ouais, ok, d'accord. Faut que j'aille là-bas. Alors, attends. Si je passe par là. Ensuite, le voilà. Ah, c'est l'apprenti prêtre. Oh, si, c'est une princesse. Sans une princesse, j'avais peut-être pas faux, hein. J'étais pas loin. Ok, à 100 mètres près, mais j'étais pas loin. Ouais. C'est là, les ceci, c'est là. Tolkien. Hello there, friend. Diego. Lui, il a la tronche d'un Italien riche. Ça me rappelle un petit peu les Italiens, la partie... dans Assassin's Creed, les Assassin's Creed 2, ils étaient un petit peu costume pareil, quoi. C'était vraiment pareil. J'aurais bien aimé vivre à ce genre d'époque. Ah, ça aurait été cool. Ça aurait été cool de vivre à ce genre d'époque. Ok, d'accord, j'ai gagné un truc, je pense que c'est magique. Ok, bon, ensuite, faut que j'aille faire quoi? Speak with Foy. How's it going? Alors, le truc, il s'est téléporté là. Moi, il fait que je cours après, que j'aille faire une livraison. Déjà, dès le début, on me demande une livraison. C'est tout bête, mais on me demande une livraison. Je sais, on m'entend pas parfois, mais c'est parce que j'ai mon mon casque qui... Enfin, j'ai ma manette qui se déconnecte. Non, ça arrive pas à rester en ligne avec le clavier quand il est connecté. Désolé si des fois vous entendez pas, c'est normal. Faut que ça se règle un petit peu ce problème. Mais... Enfin, je sais comment le régler, mais je vais pas mettre de la musique en plus. Je tiens pas à payer des droits d'auteur, j'ai pas beaucoup d'argent là-dessus. Je touche pas d'argent sur mes lives, donc voilà, c'est pas le but. De faire du contenu pas forcément de qualité, mais bon, intéressant quoi. Ok. Wow, ils sont chelous et j'aime pas les gens qui portent des moitiés de masque comme ça. Ils sont chelous. En plus, t'as l'impression que son frère, ces deux-là. Oh là 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 là, ça fait genre ouais, putain, qu'est-ce qu'ils font? Et vont disparaître, ça? Comment c'est mal fait. C'est tellement drôle, tellement la façon que c'est fait. Ok. Ensuite, on va revoir Feuille. Ok. Feels like ages since the last festival. Tac. Ouais. Faut que je le suive. Je crois que j'ai tué toi. Ah non. Il a disparu. Comment il fait pour le suivre? Apprends-moi cette magie noire. Moi aussi, je veux me TP là où je veux. Un peu comme Petite Mort pour ceux qui connaissent. J'adore cette série, c'est tellement bon. Ok, ils sont adaptés. Partir du temple, ok, bon bah c'est parti, hein. Je sors du temple. Je me casse. bon. Faut que j'aille là. Don Diego. Et sa tête, elle me dit quelque chose. Sérieux, sa tête, elle me revient, mais... elle me revient pas, mais...
pas, je sais pas d'où en fait. Ou alors c'est un autre perso qui y ressemble extrêmement, mais... J'ai un de mes potes, il est bien tombé sur un de mes sosies sur un jeu, alors... En plus c'était un personnage non jouable, alors hein, j'ai... C'est sur Final Fantasy XV, avec... merde, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est sur Final Fantasy XV. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe là? La merde. Ah, j'adore ces jeux où il y a le... rien du tout. Y'a, elle est juste là pour dire, je vais taper. Sur Switch. Je suis sûr. Il y aura pas de live dessus, hein, ça je vous le dis clairement. Je vais pas tenir la route. Sur Xbox, je l'avais. C'est un peu chiant. C'est un bazar. Je cherche à les masquer, mais je m'en fous. Enfin, après, je vais pas chercher, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on entend pas qu'ils sont arrivés. D'accord, je me trouve le bouton tout à l'heure, super. Décor. Ça et un coup de hache comme ça, celui qui a coupé son front, il finit. Hein. Ah, ça passe à travers, ça fait mais c'est pas vrai. Je... Ah, faut que j'aille là-bas, ça va pas arrêter de spawn. Pas grave, je vais augmenter la difficulté. Je passe observateur. Potion. Oh là 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 là, il est moche. Oui. Non, mais moi le matin quand je suis pas coiffé, je suis plus joli. D'accord. Hey, are you alright? D'accord, donc en clair, c'était fait exprès, il te nique la gueule pour aller ailleurs. Ouais, c'est un tuto quoi. Un tuto story. Ouais, il est sympa comme jeu. Je sais pas si je ferai souvent des lives dessus, mais déjà que j'y joue, ce sera pas mal. Mais je suis pas trop MMO, hein, je vous le dis clairement, je suis pas du tout MMO, je suis plutôt quelqu'un de... Ah, j'aime bien quand c'est de l'action, mais il y a des MMO, ça passe pas. Celui que j'ai essayé, c'était... honnêtement, le dernier que j'ai vraiment joué, c'était World of Warcraft, hein, classique. Mais c'est pas mon trip, c'est vraiment pas mon trip. C'est comme, comment on appelle ça, Ah, ça y est, ça commence. C'est comment on appelle ça, The Elder Scrolls Online, je l'ai. C'est pas mon délire, alors attendez. Ouais. Je voudrais juste ma mailbox en fait. Ah bah elle est là. Use. Ouais, bah vas-y, je prends. Vas-y. Golden Kid, vas-y. Mon truc en plus, si on peut jamais me servir, je pense pas. Hein. Ça me servira. Faut que j'aille voir ici.
I need to figure things out. Marco, Polo. J'étais obligé. Quel con, mais j'étais obligé. Ah, c'était prévisible. Hein. Faut que j'aille où? D'accord. On va pas être partir quoi. Giovanni. Giovanni, artisan della qualità. Ah putain, ça y est, ça commence. Il est pas 22h, mais 22h ça va partir en couille, hein, je vous le dis clairement. Si vous ne connaissez pas live, à 22h va falloir. Si y a des jeunes, restez pas. Vous savez pas dans quel état ça va finir. Hein. Je vais commencer à dire de la merde, tout ça, volontairement. Marco Polo. Oh, voilà. Bon, allez, on va arrêter ces blagues pourries, c'était sympa 2 minutes là. Allez, hop. Je dis même pas ce qu'il dit. Trop, trop mauvais en anglais. Ouais. Bon alors, je dois aller chercher quelqu'un par là. Encore, il y a deux Marco? Ah non, c'est fermier, d'accord, oui, d'accord, je me comprends. Je viens de comprendre, c'était ces fermiers. Ok. Ouais, bah vas-y. As-tu un bouquetin? Elle a le bouquetin! Moi j'ai. Ah, oui. Drop pas des choses, hein. Je suis là juste pour récupérer les trucs, c'est ça. Ça me pose des... Je récupère des trucs. Bon, on va retourner voir. Hein? Ah, oui, faut peut-être que j'élimine encore les loups, effectivement. Les loups éliminent. Oh, comment je tenais? Il a valdingué. Je me rappelle un jeu, mais j'ai plus envie. Interagir. D'accord, j'ai eu ça. Comment on fait pour se mettre de l'équipement? D'accord, ok, ouais, donc un équipement de. Ok. Ouais, d'accord. Oh, ça a l'air sympa, ça a l'air quand même sympa, c'est... Ça joue. Ça se joue. Bon, ensuite. Pissou. Pas mal, pas mal, pas mal. Ils ont déjà... Ils ont payé. Ils n'ont pas d'autres mots, ils ont payé. Nothing comes easy in this world. Il s'appelle Diego le griffon. D'accord. Si seulement ça existe en vrai. On aurait pu promener ton chien dans la rue, tu te le faire piquer. Quand tu penses qu'il y a des gypaètes dans le coin qui. Enfin, c'est un gros oiseau le gypaète, c'est un rapace qui est en Haute-Savoie et souvent en montagne. Te chope des putains de petits agneaux dans les. Quand ils sont en montagne.
Enfin, j'ai vu une photo comme ça, de Vingipet qui avait chopé un... Je sais pas, c'était un montage, mais c'était extrêmement bien fait. Ça m'avait un petit peu surpris, donc tu vois. Ça m'étonnerait pas, hein. Des fois il y a des... J'ai déjà entendu parler, c'était... Ouais, c'était en Normandie, je crois. Il me semble qu'il y avait des... Ouais, il y avait des gros chouettes qui chopaient facilement les chats, tout ça, les chatons. Ça te bouffe des bestiaux comme ça, hein. Et ouais... Mais enfin... Je pense que c'est la loi de la... Bon, allez. La mission. Ça va être rare. Ça peut arriver. Ah bah maintenant ça me grave peur. Oh bah c'est pas vrai ça. Alors, Visto. Ok. J'ai eu un casque. Ok. Ah, il est là-bas, la mission. Bon, bah, c'est parti. Ça a l'air 100 à 400. Eh bien, alors, attends. Ok. Non. Après, il y a quoi, je crois que... The Wolf King, Kazakorp. C'est 1h40 déjà, ok. Faut que je remette mon horloge, enfin peut-être que je la rafale. Bonjour monsieur. Ah, y'a rien à looter dessus, hein. Impression que les animaux qui sont inoffensifs, t'as rien à looter dessus. Je trouve que c'est un peu con parce que ça pourrait faire un petit peu un écosystème. Ça se trouve en fait y'a un écosystème pour le jeu. Par contre ces trucs là-bas, à mon avis... Peut-être pas gentil. C'est un joueur ou c'est un ennemi? Ah, c'est un ennemi. Viens là, toi. Lui, il veut peut-être pas se friter contre toi, mais moi, je veux bien me friter contre toi. Viens, 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 viens. Et viens là. Saloperie. Non, mais c'est... Un peu la merde, hein, ceux-là, c'est pas forcément les plus drôles. Alors, tac, interagir. Ouais, l'univers est sympa. Ce que je peux dire déjà, c'est que bon, bah, niveau jouabilité, à la manette, je sais pas comment c'est parce que je joue pas en manette, hein, sur certains jeux. Donc je pourrais apparemment, puisque apparemment elle est prise en compte. Mais bon, clavier souris avec adaptateur, ça passe super bien. Et... Ah, je crois que lui était. Mince. Je sais pas en fait, peut-être. Apparemment, fallait faire ça. Putain, crois à moi. En plus beau. Bon, alors, select. Ok, ouais. Ok. Ensuite, voyez. Il faut prendre la route là. Où est-ce qu'elle est là? Putain, faut remonter là-haut. Hey!
Le mec qui s'appelait Lazy Boy, j'ai compris Lady Boy, et là c'était pas du tout la même chose quoi. Vous regarderez sur internet vous-même. J'ai pas envie de donner la raison en live. Bon. T'annonces bon quand même ce jeu. Bon, j'ai pas payé, c'est bien. Déjà que c'est, le jeu est devenu gratuit, donc c'est cool. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bas niveaux, mais c'est bien au contraire, c'est bien. Bon, Army qui est en anglais, c'est le problème, le jeu est en anglais. Is there something I can help you with? Ludovico Sanchi. Beaucoup de noms latins. Enfin, latin, connaissance latine. Je vais pas commencer à dire des mots difficiles. 22 heures approche. Il y a des moments où je suis plus opérationnel que ça. I'm awaiting my orders. Ok. Putain, j'ai deux missions à prendre. Alors, faut que je fasse quoi? Genre, je prends ça. Il met 3 heures à prendre une caisse de poisson. Et faut que je l'amène. Là, je suppose. Pas que je me tape, c'est une raison. Ce serait con sinon ça arrive. Speak with Pila. If you're looking to make a purchase, you've come to the right place. Alors par contre, ça c'est un truc que je comprends pas dans les MMO. Vous faites des personnages masculins qui sont des fois mais dégueulasses, mais les nanas, elles sont toujours avec des gros. Comment on pourrait dire ça sans que ce soit péjoratif? Bref, je sais pas comment je pourrais dire ça pour que ce soit évité, que ce soit péro. Bref, bon, vous leur mettez des atouts intéressants, hein, voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que j'ai pas été trop trash. Et vous les faites belles. Mais il y a des personnages qui peuvent être moches, sérieux. C'est pas parce que vous mettez une meuf qui est super belle. Excusez-moi, je préfère Tomb Raider de la PS1 que ça. Hein. C'est sûr, elle avait des tétés qui étaient triangulaires, mais ça faisait son charme. Je sais pas pourquoi ils font des personnages qui soient comme ça, sexy. Faut pas oublier qu'il y a des femmes aussi qui jouent à ce genre de jeu. Tout de suite, on met l'accent sur des personnages féminins qui sont trop trop sexy. Il n'y a pas que ça. Hein. Bon, il peut y avoir des personnages masculins qui sont carrément canons. Hein. Il y a des jeux où c'est le cas déjà. Oh, c'est pas vrai. Visite Masni Mansion. Allez, où oui. Attends, parce que le problème c'est que. Bah écoute, je vais suivre le truc là. Slow down! What's your hurry? D'accord, ok. J'ai là-haut. Ah ouais d'accord, donc t'as une partie solo multijoueur qui se fait d'un coup. C'est bien. Oh là là. Ça y est, ça part en cacahuète. Dead là. Ah c'est les. C'est ceux qui ont les à moitié les masques. Yeah.
il est où? C'est une blague là. Attends, je sais juste pas me diriger dans un jeu. C'est tout le problème. Le voilà. Pourquoi il est allé aussi vite que moi? Comment il fait? Vous allez me donner votre potion. Ils utilisent des trucs de téléportation, j'en suis sûr. Il arrive 3 ans avant moi en fait le truc. Télarion, ouais, bon allez hop. Abrège. Je vais sur que la moi. Un téléchargement hein, pour utiliser. What? On m'explique pourquoi j'ai les échecs qui se sont démarrés sur mon match. J'ai pas demandé de démarrer les échecs, on fout les échecs. Pas aux échecs. C'est intelligent pour les échecs. Fascinating. I did not believe this necklace could be so easily destroyed. Perhaps it is no small coincidence you managed to survive the tragedy of Talarion. Les cinématiques elles sont ralenties, une petite chute de frame rate. C'est pas méchant en soi hein, mais bon. À régler. Peut-être moins pousser un peu les Ah, faut que je choisisse. Je prends une arme. Ou alors on me donne les deux. Ah non, c'est bon. Ouais, peut-être moins pousser les graphismes au niveau des cinématiques. Mais que ce soit un peu plus... Ça soit plus jouable, quoi. Ah, c'est un truc que je déteste, c'est bien ça, c'est les cinématiques qui bug quoi. C'est horrible, c'est un truc que je déteste. Tac. Bon, ensuite, on va aller là. On va essayer une nouvelle arme. Voilà, on n'a pas le droit de sauter ici. Face Angry Crowd. Je vais faire la mission bleue. Hein. De toute façon, je me retrouve à l'autre bout de la map. Je vais la refaire la mission à jour. Bon, après, ça lag un petit peu, je pense, parce qu'il y a aussi les joueurs. Hein. C'est le 5 septembre. Bon, allez, hop. Croyez vraiment qu'ils ont fait genre c'est des pas un truc qu'ils ont fait ou ça a été intégré comme ça graphiquement? Ça ressemble, c'est chelou. Oh là 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 là, j'aime pas les pistes. Urbus. Ça me rappelle le nom d'un joueur qui était sur Minecraft quand on jouait avec un pote il y a quelques années, il s'appelait Urbus, il avait fait un hasard pas possible. Je le défonce. Ok, et t'as pas de loot. Ça m'énerve ça quand y a pas de loot. Je sais pas, j'aime bien avoir un jeu et avoir du loot. Genre Destiny, c'est bourré de loot. Donc je sais pas, je sais pas.
Bon. Ah, faut tout prendre. C'est un peu gnangnan quand même. J'aime bien, hein, mais c'est pas un jeu que je ferais tout le temps. Y a mieux. Y a mieux en termes de MMO, quoi. Et encore. Comme je suis pas quelqu'un qui vraiment kiffe les MMO, je suis sûr qu'on est loin d'un petit Call of, quoi. D'un petit Battlefield, parce que Battlefield, ah, Battlefield, c'est. C'est le prince pour moi, Battlefield. Si là, le nouveau Call of il fait mal quand même. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on finit cette mission là, enfin là où il faut que j'aille là, c'est strict. Mais après on va s'arrêter, je vais faire ma petite pause syndicale. Je suis même pas payé, je dis ça. Je vais faire ma petite pause tranquillou, manger un petit truc, tout ça, histoire de reprendre un petit peu de force, et puis on se retrouvera sur du Call of. Au programme, on fera du match à mort par équipe quand même. Je vais me faire un petit peu de MME, et ensuite on ira en Warzone, essayer de faire un... Je dis pas un top 1, mais au moins un top 10. Un top 1, je sais qu'avec ma femme on y arrive, mais... Moi, faire un top 1 tout seul, c'est arrivé sur téléphone, mais c'est pas drôle. Tac tac tac. Speed up tech. Bon. Là, il est où, Oh, le rapace celui-là. En vrai, je trouve ça. J'aime bien aider les gens, mais... Je pense d'abord à moi sur les jeux. Je peux pas le prendre. Bah, ok, d'accord, ça bug. Toi, là, Marco. Is the one they don't see. Il pouvait pas me dire ça, mais au même moment. Non, mais sérieux, et puis il faut que je me retape le combat. Ok. Il pouvait pas me dire ça au même moment. Bon. Merde, il va me tuer. Bon, j'ai... Eh, j'ai bien fait, il m'a collé 3 dans la tronche quand même. Ah. Ça me dit, ah, mais je change peut-être de bouton, j'ai pas. Ça va être pas la. Je suis niveau 4, oufou, ça y est, j'ai gagné 2 en attaque. Bon, allez, hop. Le professeur Vettino, là.
pied et on va chercher le coffre et on va s'arrêter là pour ce jeu. Putain, ils sont allés cagés là, ils sont sérieux. Bon, et bien voilà. Ah, faut reparler avec Marco. Oh là, on va faire, on va quand même finir la mission, on va faire les choses bien quand même. The best blade is the one they don't see coming. La, ouais, vas-y. Discute, monsieur, discute. Allez. Armure fortifiée. Bon, et bien voilà, donc on va s'arrêter là. C'était la découverte de Bless Unleashed. Pour ma part, ouais, il est bien, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore un jeu qui va forcément taper dans l'œil. Hein. Enfin, me taper dans l'œil. Après, il y a des gens, ça plaît. Moi, ça me plaît pas plus que ça, mais bon, après, peut-être que j'y joue un peu plus. Mais voilà, je vous invite. Alors, pour ceux qui veulent rester sur le live, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester. Je vais mettre un petit générique. Ah, je sais pas, non, je peux pas mettre un petit générique là. Bon, c'est pas grave. Je vous retrouve à 22h10. Je prends ma pause. On se retrouve dans donc 10 minutes, c'est ça. Dans, oui, 8 minutes. On se retrouvera sur Call of Duty. Je change le titre, hein, parce que qui sait que c'est que ce truc, ça le fait pas du tout. Malgré que c'était juste parce que je ne connaissais pas le jeu. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me follow s'il n'y a pas besoin. S'il y a possibilité. Je rappelle que tout ce contenu est gratuit et que je ne fais pas payer mes abonnements. Allez, je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans 10 minutes.